Bienvenue au Texas où nous avons environ 120 000 fans qui sont passés par les portes pour assister au Grand Prix des États-Unis. Ils sont impatients, nous sommes impatients et on espère que vous l'êtes aussi. Découvrons la position des pilotes au départ de la course. Fernando Alonso partira 14e, quant à moi Jenson Button je partirai 11e. On retrouve Verstappen 10e, Ericsson 8e, Ricciardo 7e, Massa 6e, Bottas 5e, Raikkonen 4e, Hamilton 3e, Rosberg 2e et enfin l'ex-champion du monde, Sébastien Vettel 1er. Salut à toutes et à tous, c'est The Jean 2024. On se retrouve donc une semaine après, certes, pour le Grand Prix des États-Unis. Donc course en 50%, hein, comme d'habitude. On va de suite charger le réglage. Allez, voilà. Donc j'avais pas fait des super temps, ça va être une course plutôt compliquée, mais voilà, la stratégie de la course en général on peut pas vraiment changer, hein. Si on pourrait, mais et ça change rien. Voilà, allez, du coup on est parti. Et c'est parti. Il y a eu de la touche. Oh là, oh là, oh là. Oh là là. Oh là là. Un accident de malade. Oh là là. Oh, l'accident de malade qu'il y a eu, quoi. Excellent. J'ai failli me le bouffer en plus, hein. Ok, donc premier tour, c'est fait. Waouh. C'était tendu là. Et là je fais de la merde du coup. Ah, c'était vraiment chose qui s'est passé avec Ericsson. Je suis un peu parti en couille du coup. Allez, il va falloir que je re-rattrape. J'étais bien lancé. C'est bon ça.
Chama est là, mais c'est bon, c'est passé. Impeccable. Mais du coup, il va avoir le DRS. Bah oui, logique, hein. Purée. Oula, petit bug. Petit ralentissement, rien de bien méchant. Oh là là, les dégâts, je vous dis pas. Bon, bah pour chercher Massa, ça va être dur, hein, à part s'ils font un accident peut-être. Parce qu'ils sont déjà à 9 secondes de nous. Ah là là là. Il reste à peu près un tour en réserve de carburant. Tu ne vas pas pouvoir continuer avec le mélange 3 encore longtemps. Mais je suis pas en mélange 3, connard. Stand dans 3 tours. Ouais, c'est jouable. Ouais, bah ça, on l'a remarqué. Plus que deux tours avant l'ouverture de la fenêtre d'arrêt au stand. On va te mettre les pneus prime. Ah
Oula. Et je vous avoue qu'ils me font assez chier ces petits ralentissements là. Ah, il y en a qui sont déjà là. Rentrer au stand. C'était moi ça et les autres. Si Bottas y est troisième, Hamilton, Rosberg et Vettel, ils sont où? Ça c'est une bonne question. Hein. C'est peut-être Vettel qui a fait l'accident au début. Hein. C'était une Ferrari, je crois. Rosberg est premier. Ah, Vettel est là. C'est intéressant ça. Tu es passé deuxième, tu es deuxième maintenant. Ouais bon, ça va pas durer hein, parce que voilà. Il va aussi falloir que je rentre au stand. Hamilton toujours à foncer sur moi là. Ah, j'aime pas ça. Hein. J'aime pas ça du tout. J'ai des nouvelles de tes pneus, ceux-ci sont en fin de vie, il ne te reste que peu de temps avant qu'ils
Et merde. Je vais la refaire quand même parce que j'ai pas envie de péter. Là. Voilà, ça c'était une belle entrée ça. Bon ok, là je vais me faire doubler par tout le monde, ça va être superbe. Oh là là, je suis passé 8ème là, c'est quoi ce bordel? Ok, je sais pas pour les stands. Putain, mais je crois que je me suis fait baiser d'une place, c'est pas possible. Ah voilà, il y en a encore deux qui ont au stand, je me le disais bien. Septième. C'est même sixième, impeccable ça. C'était une manœuvre de toute beauté, tu as gagné deux places d'un coup. Waouh. Ah merde. Putain, Rosberg 1,43 quand moi je tourne à 1,46 et que je fais de la merde surtout là.
Verstappen se rapproche quand même pas mal de moi. En plus, bah qu'est-ce que ça va être quand tu vas passer en riche? Ah bon, c'est tout ça. C'est vachement tout. Oh là là, ils sont déjà bien usés. Oula, très très mauvais temps là. Aïe. Thank you.
s'apprête à recevoir. Le PD. Putain, il me fait faire de la merde là. Allez, mais reprends-toi là, purée. Tant pis. Tant pis pour ça. Ouais, voilà, c'est foutu là. Bon, je savais bien de toute façon que je pourrais pas l'avoir, mais. Ouais, un petit DRS, ça fait toujours plaisir. Comment il part devant moi là, c'est abusé, ça m'énerve ça. Cette différence qu'il y a entre les pilotes, entre les 6e et les 5e. Je vous jure. Petit point sur le carburant, on sort à 60% du niveau de départ. Putain, ça m'énerve ça. Que j'ai pu chier ces virages là avant, ça m'énerve quoi. Juste quand il fallait pas. Mais elle tourne que dalle cette machine là, putain, elle rentre pas dans les virages, ça m'énerve. Dès qu'elle a un peu les pneus usés, c'est fini. Ouais, ta gueule. Eh, mais vas-y, mais rajoute-en, fils de pute. Non, mais j'hallucine. Enfonce-moi. Enfonce-moi.
Et il m'a pas dit de rentrer là, ce fils de pute. Ok, la fenêtre d'arrêt au stand est ouverte. Ta fenêtre est ouverte. Alors oui, je sais, c'était dégueulasse, hein, mais bon, quand on a un jeu qui est mal fait comme ça, parce que je trouve toujours pas ça normal qu'en qualification je peux faire 10 tours, mes pneus ne sont quasiment pas usés, et là, en course, 3 tours, ils sont usés. Faudra quand même m'expliquer. Ta gueule, c'était chaud la dernière fois que j'aurais dû rentrer. Non mais je vous jure. Qu'un jeu m'énerve comme ça pour ses incohérences. C'est vraiment chiant. Et puis cette monoplace de merde, hein, Honda. Cette année ils ont vraiment chié. Hein. Après peut-être que pour 2016, ça ira mieux. Mais non, mais non, mais non, je suis désolé. Mais n'importe quoi, j'ai laissé faire l'IA là. Fils de pute, va. Non, mais hey, n'importe quoi. Voilà. Putain, mais Massa, il est déjà repassé au stand quoi. Et je vais pas pouvoir le dépasser pour autant. Il va trop vite. Connard. Hein. Putain, Verstappen, il est passé là. C'est notre dernier arrêt, plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. Ah voilà, c'était pour ça. Moi je croyais qu'il était déjà passé. Ah mais ça change tout là. Tu es sixième, sixième. Apparemment l'une des forces India va faire un arrêt. L'équipe s'apprête à le recevoir.
Et bah voilà. Ah bon, c'est nouveau ça. Rosberg est leader.
rapide que Massa, environ 3 dixièmes au tour. Ça fait toujours plaisir. Alonso est devant avec un tour de retard. Merde. Purée, mais c'est pas possible ça. La jauge de carburant indique maintenant 15 kilos restants, 15 kilos restants. Je suis vraiment n'importe quoi là, ça m'énerve. Ah voilà, c'est à cause des pneus, je me disais aussi. Mais oui, avant je lui mettais 3 dixièmes et maintenant il me fait une seconde, c'est... Putain, ça m'énerve ça, ces incohérences, quoi. C'est impossible, en fait. C'est quoi, il s'est réveillé, il dormait avant? Non.
Heureusement que c'est le dernier tour parce que ça me casse les couilles. Putain, j'aime la F1, j'aime piloter, mais quand il y a des incohérences comme ça, là, ça m'énerve. C'est putain d'usure de pneus et je suis sûr que même si j'avais autre chose que Honda, j'aurais le même problème. Genre avec Rosberg ou Hamilton chez Mercedes. À mon avis, ça ne changerait rien. Bon, revenons aux choses sérieuses. On a Rosberg qui est vainqueur, donc à mon avis il va remporter cette saison. Allez, c'est la fin. Ah bah je suis bien content que ce soit terminé. Donc objectif pas réussi, mais j'en ai rien à branler. J'en ai vraiment rien à branler. Encore une superbe course de la part de Nico Rosberg, qui voit l'Allemand terminer en première place au volant de sa Mercedes. Et bien voilà, donc Rosberg finit premier, suivi de Hamilton, hein, comme d'habitude, les deux Mercedes. C'est énervant, c'est rageant, mais on s'en fout. Vettel, quant à lui, est troisième. Et oui, c'est pas mal. Bottas, c'est Raikkonen, à mon avis, qui a fait l'accident. De toute façon, je vous mettrai un ralenti pendant la course de l'accident, plus à la fin, sûrement. Et Raikkonen, septième, du coup, ouais, il était parti quatrième, voilà. Il est fini 7ème juste derrière moi. Ensuite Ericsson 8ème, Nasser 9ème, Maldonado 10ème, Perez 11ème, Verstappen 12ème, c'est dommage pour lui. Enfin Grosjean 16ème et enfin Alonso 18ème qui a gagné juste une place à la fin, on l'a vu qui avait doublé Méri. Voili voilou, il avait quand même fait 3 arrêts hein, Alonso, c'est tout à fait notable. Voili voilou, on continue. Classement des pilotes, je reste quatrième. Raikkonen reste troisième et deuxième. Hamilton et Rosberg premier. Il y a quand même 28 points d'écart maintenant entre Rosberg et Hamilton. Je pense que les jeux sont faits quand même. Je pense que les jeux sont faits. Par contre, moi, j'ai vraiment pas grand chose avec. Pas grand chose. J'ai plus de 10 points entre moi et Raikkonen, mais ça va, ça pourrait être jouable, ça pourrait le faire si lui ne gagnait plus trop de points, voilà, si, enfin bref. Vettel est quand même assez loin derrière moi, j'ai pour l'instant pas trop de soucis à me faire, mais comme dit, ça devrait le faire. Voili, voilou. Classement constructeur, Honda, on est passé, ça a bougé.
On est passé quatrième, ah bah oui, quand même. Ouais. c'est que tout ce qu'on mérite avec un moteur de merde comme ça. Hein. J'ai jamais vu ça en vitesse de pointe. Hein. Franchement, c'est un chier. Et puis, je parle pas de l'usure des pneus, mais à mon avis, ça, comme dit, hein, ça, c'est toutes les monoplaces. Sauf les IGR. Alors, elles doivent gérer très nickel l'usure des pneus, mais par contre. Le pilote amateur, celui à qui joue, voilà, celui-là il va se faire foutre. Enfin bref, voilà, j'espère que ce Grand Prix vous aura plu malgré mes râleries comme d'habitude. Hein, râleries, je ne sais pas si ça se dit, mais on s'en fiche. Vous m'avez bien compris. Et puis voilà, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à commenter la vidéo, à vous abonner si vous avez envie d'en voir plus des vidéos comme ça. Et puis voilà, allez sur ce, ciao plus, bonsoir.